Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous me voyez bien. J'espère que vous allez bien, les amis! En ce mercredi, ici en zone B, c'est la dernière semaine de vacances. C'était super, c'était pas mal, c'était bien, c'était ensoleillé. On a pu sortir, reprofiter un peu des parcs. Ah, est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez ou envoyez un petit like, un petit cœur, peu importe, manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez, comment vous vous sentez. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je reçois souvent cette question où on me demande, parce qu'apparemment, je le répète souvent dans mes lives, mais c'est vrai que je n'ai pas fait attention, mais je reçois souvent cette question de « Mais Mounia, mais comment tu fais pour ne pas avoir peur et pour que quoi qu'il arrive, tu fonces et pour prendre des décisions très, très vite sans avoir peur ?» Hey Bruna ! Sans avoir peur, etc., etc. Je reçois souvent ces questions. Et parce que je dis souvent que moi, je fais confiance à l'univers, que je suis mon âme, que je suis mon intuition, que quand quelque chose m'appelle, j'y vais, je réfléchis pas. Et j'avais fait un live où je disais que même beaucoup de gens, à l'époque, me disaient que j'avais pas de personnalité et que j'étais pas, que je prenais des décisions à la va-vite et que c'était pas très raisonnable, etc., etc., etc. Du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est plusieurs choses par rapport à la peur. La première chose, c'est pas que je n'ai pas peur. C'est que je n'ai pas peur d'avoir peur. Parce que la réalité, c'est que la peur, vous l'aurez toujours. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la quantité de développement personnel que vous aurez emmagasiné dans votre vie, quelle que soit l'évolution dans votre métier, dans votre société, dans votre profession, peu importe, quels que soient vos revenus, ça n'a pas d'importance. La peur, vous l'aurez toujours. C'est juste que cette peur va évoluer avec la personne que vous êtes. On va dire petite personne, grande peur pour imager le tout. Mais la peur, elle fera toujours, toujours partie de notre vie. De votre vie. Donc, l'idée, c'est pas de ne plus jamais avoir peur. L'idée, c'est de comment maîtriser la peur d'avoir peur. Cette peur qui vient de l'ego, qui veut nous surprotéger pour ne pas souffrir. Parce que l'ego, il a même peur d'avoir peur. Il veut pas avoir peur, il veut pas de souffrance, il veut même pas ressentir la peur. Du coup, comme l'ego a peur d'avoir peur, il vous fait tout le temps reculer. Et moi, c'est ça que j'ai contre-attaqué depuis des années maintenant. C'est que je comprends tout à fait que la peur vient de mon ego et que du coup, libre à moi de l'écouter ou non. Et je comprends que la peur est reptilienne, c'est-à-dire elle est dans le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien de tous nos cerveaux. C'est le cerveau qui est responsable de la survie. C'est le cerveau qui vous fait reculer quand vous avez inconsciemment peur de mourir, en fait. Vous savez, quand vous avez un grand changement de situation et qu'il y a la peur qui se présente, c'est souvent cette peur reptilienne de oh, « le changement, c'est la mort ». En fait, le changement, c'est mourir et moi, j'ai pas envie de mourir, donc j'y vais pas. Je reste dans la zone de confort, dans la zone du connu, où je me sens plus en sécurité parce que je connais les choses, je connais les problèmes, je connais l'inconfort de cette zone de confort. Voilà, donc moi c'est ça. En fait, moi j'ai choisi de vivre dans la confiance, tout simplement. C'est-à-dire que, ok, j'ai peur, mais qu'est-ce que je fais de cette peur? Je vais la maîtriser, je vais la comprendre, je vais en comprendre le message positif, je vais la travailler, je vais la sortir de mon cerveau reptilien ou de mon cerveau limbique pour la faire passer au cerveau frontal pour pouvoir raisonner la peur, mettre de la raison sur la peur. Et ensuite, je peux prendre mes décisions tranquillement. Donc, si vous voulez, j'ai choisi plutôt la confiance, j'ai plutôt choisi de faire confiance à l'univers, de faire confiance à mon cœur, à mon intuition, plutôt que de rester paralysée par la peur. En plus, il faut savoir qu'il y a différents types de peurs. Il y a les peurs comme ça de survie, justement, les peurs où on a peur de mourir, mais il y a aussi les peurs secondaires,
Il y a les peurs fondamentales et les peurs secondaires. Les peurs secondaires, ben, ça se travaille comme tout en fait. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi comme peur que j'ai là, maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Cette peur, elle est accompagnée de quoi? Quel événement me fait réellement peur? Qu'est-ce qu'il risque de se passer dans ma vie et qui me fait peur? Et comment je peux me préparer à ça pour ne plus jamais avoir cette peur-là ou pour ne plus la vivre de manière aussi intense que je la vis aujourd'hui. Il y a différentes sortes de peurs et elles ne se travaillent pas toutes de la même façon, mais elles se travaillent toutes. Elles se travaillent toutes. Donc, sachez que la peur, elle est là pour vous faire reculer. La peur nous fait reculer. Quand on a peur, on recule. Quand on est dans la joie, on partage, on avance. Du coup, quand on sait que la peur est là pour nous faire reculer, déjà, c'est déjà un pas en avant parce que justement, à chaque fois qu'on va avoir peur, on va se dire, ah, ça c'est juste l'ego qui veut me faire reculer. Mais moi, au fond, avec mon cœur, avec mon âme, avec mon intuition, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que mon enfant intérieur est en train de me dire? Et là, on peut avancer malgré la peur. Et ça devient le courage, ça devient l'audace, ça devient la persévérance, ça devient toutes ces belles choses qui nous permettent de réussir des choses incroyable, incroyable. Et pourquoi j'ai pas peur? En fait, j'ai pas peur d'avoir peur. Et pourquoi je gère mes peurs? Parce que j'ai vraiment compris que les situations les plus inconfortables et les situations les plus difficiles sont toujours là pour justement nous faire grandir. Vous savez, je dis toujours qu'avant chaque expansion, il y a d'abord une contraction. La vie, elle est faite de contraction puis d'expansion, de contraction puis d'expansion. Les contractions, c'est les épreuves. C'est tout ce qui nous fait peur. C'est ça les contractions. Et moi, aujourd'hui, je suis confiante et je suis persuadée qu'après chaque contraction, chaque moment difficile, chaque épreuve douloureuse, il y aura une grande expansion de quelque chose. Et c'est pour ça que je n'ai plus peur et que je n'ai plus peur d'avoir peur. Et c'est pour ça même que j'accueille les événements les plus difficiles et inconfortables avec aisance, avec sérénité, avec paix, avec confiance et avec amour. J'aime les moments difficiles maintenant parce que je sais que ce moment difficile va me permettre de transformer l'être humain qui est en moi et va me permettre de transformer ma vie et de transformer le monde qui m'entoure. Donc ça, j'en suis confiante. Après chaque contraction, il y a une expansion. Vous savez, les personnes qui ont fait les choses les plus formidables au monde, c'est des personnes, j'ai envie de dire, qui ont mis un genou à terre à un moment donné de leur vie. C'est des personnes qui ont été au plus bas de leur vie. C'est ces personnes-là qui n'ont plus peur. Imaginez une personne qui a connu la rue, qui a vécu dans la rue, qui a vécu dans la précarité, qui a vécu dans la famine, qui a vécu dans le froid, qui a vécu ces choses vraiment dures, dures, dures. Est-ce que vous croyez que quand on va lui demander de déménager au bout du monde pour prendre un boulot, je ne sais pas, dans un pays qu'elle ne connaît pas, un pays voilà, où elle ne connaît pas la langue, vous croyez que ça va lui faire peur, sérieusement? Ça va pas lui faire peur parce qu'elle a connu la vraie peur, elle a connu la détresse. C'est souvent quand on tombe au plus bas qu'on n'a plus peur, qu'on est dans la confiance totale, qu'on reprend confiance en nous, que notre estime de nous réaugmente. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'on a survécu à ça. On remarque qu'on était au plus bas et qu'on a survécu. Et là, on se dit, bah, si j'ai survécu à ça, c'est que je peux survivre à tout en fait. Tout ça, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. C'est juste les histoires qu'on se raconte dans notre tête et comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau a connu le pire du pire à nos yeux. Eh bien, il n'a plus peur. Là, je vois déjà, il y a des gens qui vont dire, non, mais toi, la petite Mounia, là, tu crois que tu as vécu des situations douloureuses? N'importe quoi, ta vie, elle était plutôt cool, elle était plutôt belle. Ben non, en fait, non. En fait, on vit tous des situations douloureuses à notre échelle. Il n'y a pas de situation douloureuse ou trop douloureuse ou assez douloureuse ou pas assez douloureuse. On vit tous des situations douloureuses. Vous savez, quand un enfant pleure parce que sa sucette est tombée par terre, c'est une situation douloureuse pour lui. On va pas lui dire c'est bon, c'est qu'une sucette, arrête de pleurer, tu pleures pour rien. Donc on a tous vécu une situation douloureuse à notre échelle. Moi, le décès de ma grand-mère, ça a été une situation très très douloureuse. Le décès de mon père, ça a été une situation très très douloureuse.
Mon expérience aux États-Unis, etc., ça a été une. J'ai vécu des situations inconfortables, je dirais pas douloureuses, c'était juste extraordinaire, mais j'ai vécu des situations inconfortables. Mes accouchements ont été des situations extra-douloureuses, mais voilà, c'est des choses qui vont quand même transformer notre vie au final, notre façon de penser. Moi, je sais que mes grossesses, mes accouchements, ils ont vraiment contribué à ma confiance en moi et à mon affirmation de soi parce que j'ai compris des choses, j'ai compris que bah, le corps médical n'avait pas d'emprise sur notre corps à nous, qu'on avait le droit de nous affirmer, qu'on avait le droit de dire non à certaines choses, qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, et bien on peut dire non, alors qu'au début, j'avais tendance à subir avec mon premier enfant. Vous voyez donc. Quand je dis mettre un genou à terre, ça ne veut pas forcément dire connaître la rue ou connaître le froid ou connaître voilà, la précarité, etc. Un genou à terre, ça veut dire s'incliner face à la vie, s'incliner face aux choses douloureuses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Parce que finalement, on n'est rien, on n'est pas grand-chose face à la puissance de l'univers, on n'est vraiment rien. On n'est rien. Mais ce que je sais aujourd'hui, et justement ça c'est pour répondre à la question, c'est comment tu fais pour ne plus avoir peur ou pour ne pas avoir peur. Moi ce que je sais, c'est que c'est quand j'affronte ma peur et que je la confronte que la magie opère pour moi. Ça a toujours été comme ça. C'est quand j'affronte ma peur que la magie opère pour moi. Si j'étais pas partie aux États-Unis, comme ça, en étant jeune, seule, sans poser de questions, en affrontant ma peur, le pays que je connais pas, la ville que je connais pas, l'université que je connais pas, des gens que je connais pas, une culture que je connais pas, etc. Eh ben, j'aurais jamais vécu 12 ans extraordinaires que j'ai vécu là. J'aurais jamais subi cette expansion de mon être et de mon faire que j'ai subi grâce à ça. Je suis convaincue et je le sais que c'est en affrontant la peur que la magie opère. Ça, c'est ma croyance qui fait que ben, à chaque fois qu'il y a une situation qui me fait peur, ben, je fonce parce que je sais que derrière, il y a des choses génialissimes. Ça a toujours été comme ça et ça va toujours l'être parce que c'est ma croyance ressource la plus profonde. Et comme c'est une croyance que j'ai dans ma tête, eh ben, ma tête va venir me confirmer cette croyance à chaque fois. Voilà, ben j'espère vous avoir un peu éclairé, les amis, par rapport à la peur. En tout cas, merci d'avoir posé cette question parce que c'est grâce à vos questions que je m'inspire un peu pour les lives et que je sais un peu qu'est-ce qui vous questionne, qu'est-ce qui vous pose problème, qu'est-ce qui vous crée des blocages, qu'est-ce qui suscite la curiosité, l'incompréhension, etc., etc. Voilà, ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!